Allô! Coucou! Ça va bien? Comment allez-vous aujourd'hui? Oh, ça va bien au début. Oui, ça va super bien. Eh bien, nous, ça va pas mal mieux, hein? Oui, ça va beaucoup mieux, Ouais. oui. Donc, ben voilà, on se revoit, ça y est, c'est Ouais. On la recommence. première vidéo que vous voyez de nous après la COVID. Ah ouais. Et La COVID, on l'a garoché en arrière. par contre, c'est pas le premier tournage. J'ai fait deux tournages que tu as montés. Donc la vidéo que vous allez voir mercredi a été faite avant celle-là. Et la vidéo que vous verrez aussi, les cours en vidéo que vous allez voir lundi, la semaine prochaine, a été tournée aussi avant celle-là. Donc c'est la première que vous voyez. Mais on a commencé à tourner un petit peu pour les cours, les autres vidéos, ça a commencé. Donc on a repris le rythme, ça y est. C'est la première de moi avec toi. Oui, voilà, c'est la Depuis que tu première. as dit, tu as parlé, tu avais parlé tout seul avec un petit message, dire qu'on Oui, se je vous avais reverra. fait l'annonce comme quoi on avait été malade, tout ça. Oui, c'est Puis vrai. après, on a fait une vidéo qu'on a mise dans Oui, Facebook. c'est vrai. Oui, c'est vrai. Puis voilà. Donc nous revoilà, ça y est, c'est reparti comme avant. Et puis ben, j'espère que maintenant tout va bien aller. Ben Alors oui. on a un petit peu des séquelles, bien sûr. Mais oui, René, des fois, là, il tombe par terre, puis il se relève, il tombe. Non, non, c'est pas vrai. Non. On va dire là, ben, il y a des petites séquelles. Par exemple, on dort moins bien la nuit. Ben oui, parce qu'il ronfle trop. Je me réveille au milieu de la nuit, ça faisait jamais ça avant, mais c'est Non, pas ça, c'est grave. vrai. Fois, je me réveille, je prends mon téléphone, j'écris des textes, je prends des idées, je note des choses, puis après, je me rendors. Et Ouais. puis, le souffle, un gros manque de souffle quand on fait des efforts, monte les escaliers ou marche vite. Surtout, il y a trois étages ici, hein. On a l'ascenseur et les escaliers. Donc, quand on a vu le docteur après, pour ta deuxième visite, là, j'ai demandé au docteur, on est trois étages à pied, est-ce qu'ils vont prendre l'ascenseur ou les escaliers? Il a dit les escaliers. Bon, on prend les escaliers, mais arrivé en haut, là, trois étages seulement, avant, c'était rien du tout, je l'ai monté deux marches par deux marches en courant, mais là, j'arrive en haut, je suis complètement essoufflé. Et heureusement, donc maintenant, nous avons notre petite machine. Notre nouvelle machine. Vous demandez c'est quoi, Alors, quand on a un petit peu envie de faire passer du temps ou autre, hein? On fait un ben, concours. allez hop. Il va trop rire. Ah, c'est comme. C'est comme si on fumerait C'est ça. C'est pour faire nos exercices. Alors, il faut faire monter le bidule à une l'intérieur. Puis, chicha. c'est ça. C'est pour. Mais moi, je le fais quasiment pas. Non, il faut le faire, il faut Là, le faire. je sais, C'est pour mais. augmenter notre capacité pulmonaire. Ouais. Et comme ça, ben, on va récupérer plus vite notre souffle d'avant, de Ouais. jeunesse. OK. Puis, on peut parler pour dans notre formation. Oui, c'est quoi? C'est. Ben oui, c'est ça. Ben, la formation, c'est sûr. La formation, vous avez vu, ça a continué. Heureusement, on avait des cours qui étaient tournés d'avance. On va reprendre un petit peu de l'avance, on ne sait jamais. Puis, quand Notre on va cours. retourner au Québec le 28 avril, on Ouais, prend le l'avion. 28 avril, on retourne chez nous. Alors, c'est sûr, ça prend un peu de temps avant. Après, faire les bagages, défaire les bagages, tout ça, on va prévoir un petit peu des cours d'avance. Alors, c'est ça, ben, n'oubliez pas qu'il y a la formation, toujours la peinture, c'est facile, qui continue avec des nouveaux cours chaque semaine. Alors, vous avez le lien aussi dans la description sous la vidéo pour vous inscrire. Vous avez toujours, dans les descriptions sous les vidéos, vous avez toujours des liens aussi pour obtenir gratuitement Le e-book. le e-book, le guide de la couleur, tous les liens sont là-dessous. Puis merci aussi pour les likes que vous mettez parce que c'est important pour nous dans un Oui. sens que ça fait monter notre chaîne. Hein? En fait, c'est ça. Si vous partagez la vidéo, nos vidéos surtout celle du mercredi, la vidéo qui est technique, vous la partagez, vous likez. Et si vous n'êtes pas abonné, vous abonnez, vous envoyez du monde pour s'abonner. Le nombre d'abonnés va augmenter de plus en plus vite. On est rendu là à 69 600, je pense. Et n'oubliez pas, quand on va atteindre le 100 000, on va vous faire un super gros cadeau. Oui, ben là, en parlant de cadeaux, là, on s'excuse encore, celui du 50 000 que tu avais promis. C'est pas qu'on vous a oublié, là. Non, Aussitôt on rendu l'avait à fait pour le 50 000, c'était le tableau, le bateau. Maintenant, tu veux dire le tirage. le tirage du Oui, bateau. on va faire tirer, oui. Oui. Dès qu'on arrive au Québec, on va faire un tirage Pour la pour faire toile. gagner la toile du bateau qui s'échoue sur les rochers. Et donc, ben, on l'enverra à la personne qui aura gagné. Sais-tu quoi? J'ai une idée. Pour le 100 000, Quoi? il pourrait gagner quelque chose. La Joconde? Mais non, Ah non, hein? moi puis toi,
À souper chez eux. Ah oui, ben voilà, c'est ça. Puis, ça dépend où est-ce que vous restez. Non, c'est une farce. Hein? Oui. Alors, on va répondre aux questions? Oui, on en a pas mal aujourd'hui. On a 18. 18 questions. Fait que, oubliez pas, j'ai des questions qu'il y a de 3 semaines. Oui, il y a des questions qui ont été posées il y a longtemps, donc on va répondre maintenant. Pas, là, mais et puis, ben, puis ça on peut va aider. Prendre le rythme. De toute façon, ça aide plusieurs personnes, tu sais. En fait, c'est ça. Quand on répond aux questions, c'est un petit peu comme un petit cours théorique de peinture. Ce sont des questions techniques qu'on nous pose, on y répond pour que tout le monde en profite. Ouais, c'est ça. Ou du moins, on essaye d'y répondre parce que des fois, j'ai pas toujours la réponse exacte non plus. Mm-hmm. OK, on va commencer par NJ Cal. Bonjour, NJ. Bonjour, NJ Cal. On dit bonjour, bonsoir, ici, c'est le soir, c'est pas grave. Mm-hmm. Bon, bonjour, Linda et René. J'aime vos vidéos. J'aimerais savoir, quoi pensez-vous de la peinture acrylique Triart? Triart, oui. Oui. Est-ce que c'est un bon achat? Parce qu'elle a débuté avec Basic, mais j'ai vu une peinture de meilleure qualité. OK. Qu'est-ce que tu penses de Triart? La peinture Triart, j'en ai beaucoup utilisé. Pardon, excusez. elle vient de Kingston, en Ontario. Elle a évolué. Alors justement, parce qu'il y a cette question, je l'ai vu, je suis allé voir sur le site de Triart. Et je n'ai pas retrouvé les produits que j'utilisais avant quand je m'en servais beaucoup. J'ai juste revu la Réotech. La Réotech, elle existe encore. Mais là, ils ont mis maintenant de la Heavy Body qu'ils n'avaient pas avant. Ils ont mis beaucoup d'autres produits qui n'existaient pas avant quand moi, je m'en servais. Avant, quand j'utilisais la Triart, il y avait 3 gammes, dont la Réotech, la Solucryl, je pense, il me semble, je ne sais plus. Enfin, il y avait trois termes. On s'en servait beaucoup à l'atelier aussi avec les enfants. Donc, il y en a une qui était extrêmement transparente, de pas très bonne qualité. Puis, elle était aussi non permanente, c'est-à-dire que les enfants pouvaient s'en servir. Puis, s'il y avait des taches sur les vêtements, ça partait au lavage après. C'était pas un acrylique fixé. Puis, il y avait donc la Réotech. Je sais plus, je me rappelle plus les gars, mais moi, j'utilisais, pour moi, personnellement, j'achetais la meilleure qualité, la haute viscosité. Elle était vraiment très bonne. C'est une très bonne peinture. Mais ce que je n'aimais pas, c'était les emballages. Les tubes, ils ont des tubes, je ne sais pas si c'est encore maintenant pareil, mais ils avaient des tubes spécifiques en plastique qu'on ne retrouve pas chez les autres fournisseurs, un plastique assez rigide. Ce qui fait que, vous savez, quand vous avez un tube en plastique, par exemple l'Amsterdam de Talens, vous pouvez écraser le tube assez facilement, même la PBO aussi, la peinture va sortir facilement. Mais eux, leur tube était un peu plus rigide, fait que on l'écrasait difficilement. Et puis, même des fois, le plastique fendait. Il fendait pas, mais il se pliait, il devenait blanc, vous voyez. Et il y avait toujours ce gros bouchon assez énorme qui gardait toujours de l'air à l'intérieur. Et la peinture à l'intérieur du tube séchait. J'achetais des tubes, j'achetais des pots aussi, des pots de plastique. Et ça arrivait très souvent à cause de l'air qui rentrait dans le pot, la peinture séchait très vite aussi. J'avais des pots de PBO. Ça faisait pas la même chose que les pots de Triart. Je sais pas pourquoi c'était comme ça. Alors là, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Sur leur site internet, les produits sont complètement différents. Je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, mais je vous dirais, c'est une très bonne peinture. Le problème, c'était les emballages avant. Voilà. Donc moi, je vous conseillerais, si vous l'aimez, de l'essayer parce qu'elle est pas si chère que ça, puis elle est vraiment bonne. OK. On continue avec Jean-Jacques Moreau. Bonjour Jean-Jacques. Est-il possible de fixer du crayon aquarelle après avoir fait un dessin, un croquis? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couvert son fond de sa toile avec de l'acrylique noir. Une fois sec, il a fait un dessin au crayon aquarelle blanc pour peindre à l'huile par la suite. Ou, as-tu un autre matériel que tu peux dessiner sur du noir? L'aquarelle blanc, c'est une bonne blanc, idée. Blanc, c'est bon, oui, aquarelle ou même un bon crayon de couleur comme Prismacolor Première. Mm. Ce sont des crayons qui marquent beaucoup. Ça va fonctionner, mais sur de l'acrylique noir, du blanc, ça va bien aller. Mais moi, ce que je ferai après, une fois que ça a été dessiné, que ce soit crayon de couleur ou crayon aquarelle, je mettrai un petit peu de fixatif, si on veut pas qu'il s'en aille, le dessin. Mm-hmm. C'est pas ça, ok. une fois, c'est dessin au crayon... Aquarelle blanc pour prendre la lune. Est-il possible de fixer, de fixer, oui. Ben, avec du fixatif pour le dessin, ça devrait fonctionner, il n'y aurait pas de problème. Mais moi, quand je fais un dessin au crayon aquarelle, ou crayon blanc, ou Prismacolor sur un fond noir, avant de peindre, je fais mon dessin, mais je ne le fixe pas, puisque je vais utiliser le crayon pour peindre par-dessus aussi, donc on n'est pas obligé de le fixer.
Je pense pas que ça va s'en aller, ça dérangera pas. Non, mais moi aussi, la plupart, je me rappelle à l'atelier, tout ceux qui faisaient ça sur le noir, ils prenaient l'aquarelle blanc, mais d'une autre couleur qui est quand même assez visible. Ça peut être jaune, n'importe quoi. C'est pas forcément nécessaire de le fixer. Si vous voulez le fixer, ben, utilisez du fixatif, ça devrait fonctionner. Oui, mais il restait. Ça devait être clair. OK, on continue avec Christian. Bonjour, Christian. Bonjour, Christian. Bonjour à vous deux, les bronzés de l'hiver. On en reprend un petit peu de montage. Oui, on rebronze un petit peu. Il dit, j'avais passé en guise de gesso sur une toile un reste de peinture acrylique bleue, peinture de mur. Oui. Eh bien, pas moyen ensuite de peindre à l'huile par-dessus. La peinture glissait et n'adhérait pas. J'ai dû jeter la toile. Pourtant, on peut peindre à l'huile sur l'acrylique, mais la peinture artisanale et peinture d'art, ça n'a pas marché. Sûrement que la peinture pour mur que vous avez utilisée, c'est une peinture qui est très, très glacée, peut-être brillante ou semi-lustrée, qui fait que ça n'adhérait pas forcément facilement. Peut-être ce que vous auriez pu faire, à ce moment-là, avant de commencer à peindre à l'huile là-dessus, plutôt que de jeter la toile, peut-être poncer un petit peu, peut-être que sur cette peinture... bleu, peut-être vous auriez pu essayer de mettre du gesso. Le gesso aurait pu refaire un fond assez solide pour peindre à l'huile par-dessus après. Ou bien ce que vous auriez pu faire, alors, c'est d'essayer d'appliquer du vernis à retoucher pour la peinture à l'huile sur votre acrylique bien sec, votre peinture pour mur, une fois que c'était sec. Parce que le principe du vernis à retoucher pour la peinture à l'huile, c'est de rendre la surface plus collante, plus adhérente pour revenir travailler avec de la peinture à l'huile. Si par exemple vous avez fait un tableau en peinture à l'huile et à un moment donné vous avez mis beaucoup d'huile et que ça devient très glissant aussi et que votre peinture à l'huile n'adhère plus dessus pour les couches supérieures, c'est d'appliquer du vernis à retoucher. C'est vraiment fait pour ça. Donc peut-être que ça aurait fonctionné dans ce cas-là aussi de mettre une petite couche de vernis à retoucher avant d'attaquer avec l'huile dessus. Ouais. OK, on continue avec Janine. Merci. Bonjour Janine. Excusez. Bonjour Janine, excusez-moi. Merci pour ces moments de bien soleil. Puis je voyais le soleil, là, je dis waouh. Oui. Les formateurs que vous nous offrez. Sa question. J'ai quelques tubes d'artisan que je voudrais utiliser sur la même palette que mes peintures à l'huile traditionnelles. Oui. Sachant que pour ces dernières, je respecte bien le grand sommeil. Pour les trois couches, comment les marier entre elles sur la toile? Elle marque l'additif de l'artisan. L'artisan ne risque-t-il pas d'entrer en conflit avec les huiles? Oui, absolument. À ce moment-là, c'est sûr, si vous utilisez de la peinture à l'huile traditionnelle et l'artisan ensemble, le médium artisan ne fonctionnera pas avec la peinture à l'huile traditionnelle. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les deux peintures, les mélanger ensemble. Ça devrait fonctionner parce que la peinture artisan, qui est soluble à l'eau, peut être utilisée aussi avec les médiums traditionnels. Vous pouvez l'utiliser... votre peinture artisan, toujours avec du diluant à peinture, plutôt que de l'eau, avec de l'huile de lin, comme on le fait avec la peinture traditionnelle. Sinon, l'autre possibilité que vous pouvez utiliser, c'est d'acheter un tube de médium... qu'il s'appelle W, le médium W de Schminkel. C'est ça, Schmink. Oh, je te laisse à dire. Médium W. Schmink, c'est un médium pour rendre la peinture à l'huile traditionnelle soluble à l'eau. Et donc, vous mettez ce médium sur votre palette en grosse quantité. Et à chaque fois que vous prenez de la peinture à l'huile traditionnelle, vous la mélangez avec un petit peu de médium et vous la rendez donc miscible à l'eau et vous pouvez travailler donc de cette peinture-là avec votre peinture artisan. Schmink, c'est ça, Schmink. Medium W de Schmink, S-C-H-M-I-N-K-E, je pense. Regardez bien, allez voir sur Internet, vous allez le trouver, c'est certain. Medium, marqué Medium, pour rendre la peinture soluble à l'eau. Peinture à l'huile soluble à l'eau, ça fonctionne bien. Je l'ai utilisé, j'en ai à la maison, j'ai fait des tests et ça fonctionne très bien. Donc moi, je vous dirais que dans les deux possibilités, moi j'utiliserai plutôt la deuxième. Et comme ça, vous allez pouvoir utiliser votre peinture traditionnelle et vous la rendez soluble à l'eau et vous allez avoir tous les avantages de la peinture artisan avec vos anciennes huiles Winton ou PBO ou autre. Okay. On continue avec Farid El Farah. Bonjour Farid.
il y a deux questions. Oui. Ben, la première, actuellement, on dispose de très nombreuses qualités de peinture. Oui. De très nombreux médiums de vernis, etc. Oui. Comment faisaient les anciens, les maîtres, qui n'avaient pas tout cela à leur disposition? Cela ne les a pas empêchés de faire des merveilles. Oui. Peux-tu? Ben oui, ben c'est sûr que les anciens, ils n'avaient pas tout le matériel qu'on a aujourd'hui. Non. Les alkydes, tout ça là. Donc ils avaient une moins large gamme de matériel. Donc ils faisaient tous la même chose avec toujours les mêmes produits finalement. C'était même plus facile pour eux parce qu'ils n'avaient pas besoin de savoir comment on fait ceci, cela. Ils utilisaient toujours la fameuse huile de lin. Ils pouvaient utiliser bien sûr les médiums de l'époque vénitien, le médium flamand, l'huile de lin, toujours l'huile, de l'essence de térébenthine. Les peintures, ils avaient leur peinture à eux, mais il faut se dire quand même quelque chose, c'est que dans leur peinture qu'ils avaient à eux, il y avait beaucoup de pigments qui étaient nocifs à l'époque. Hein. Il y avait du plomb dans la peinture, énormément de produits qu'aujourd'hui, ils ont été retirés du marché parce qu'ils sont interdits. Et ils avaient des peintures aussi de moins bonne qualité qui font que, vous dites que leurs tableaux sont des merveilles, oui c'est vrai, mais cependant, il y a beaucoup de tableaux des maîtres, des grands maîtres impressionnistes qui ont perdu de leur couleur, qui sont plus dans les couleurs originales. C'est-à-dire que vous allez voir peut-être, je sais pas moi, un tableau de Van Gogh avec une couleur verte, par exemple. Et peut-être que ce vert, à l'époque, c'était plus bleuté et qu'il a jauni avec le temps, vous voyez. Que les blancs ont jauni aussi. Je me souviens, quand j'avais été voir à Montréal l'exposition sur la Provence, donc il y avait des tableaux des maîtres impressionnistes dont Van Gogh et je me souviens m'être fait cette réflexion quand j'étais devant le tableau de Van Gogh qui était très beau devant moi, je me suis dit mon Dieu que les couleurs me paraissent ternes, voyez, je trouvais que les couleurs étaient très fades et je me suis dit c'est certain que de toutes ces couleurs là il y en a une grande quantité qui a dû perdre de son intensité parce que la résistance à la lumière des peintures de l'époque était certainement moins forte que la résistance à la lumière de nos peintures d'aujourd'hui, qui sont, on va dire, élaborées en laboratoire avec plus de précision, plus d'essais, de tests, etc., de tests de vieillissement, etc., etc. Tu sais, quand ils ont remplacé les liants, puisqu'il n'y a plus de plomb, ils ont remplacé les pigments parce que ce ne sont plus les mêmes, ils ont sûrement cherché à avoir les pigments les plus permanents possibles, les liants aussi les plus permanents possibles. Quand on était au Louvre aussi, quand on a vu beaucoup de tableaux qui étaient comme... Craqués, fissurés, oui, aussi, il y en a beaucoup. Mais ça, c'est aussi parce qu'il y a les siècles et les siècles derrière ces tableaux-là. Le vieillissement est énorme, hein, c'est sûr. Mm-hmm. Puis on ne sait pas comment ils ont été conservés aussi, de quelle manière, à quel endroit, tout ça. Mm-hmm. Oui, c'est sûr que c'est... Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est gâtés. On est vraiment gâtés au niveau du matériel. On en a tellement, vous avez vu quand vous rentrez dans un magasin matériel d'artiste aujourd'hui, là, on a envie de tout acheter, là, c'est une cour de récréation. Hein. Farid, il y avait une deuxième question. Oui. Il a acheté récemment du blanc de zinc. Oui. Il y avait écrit « imitation ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, beaucoup de tubes de peinture, peut-être même tous, selon les gammes de couleurs que vous achetez, les gammes de peinture, c'est-à-dire que, par exemple, bon, vous avez Winsor & Newton. Winsor & Newton, qui est une très bonne peinture, font de l'extra fine, qui est une peinture qui coûte cher, mais ils font aussi la Winton. La gamme Winton, c'est la gamme étude chez Winsor & Newton, comme la Van Gogh chez Talence, vous voyez. Et ces peintures-là, donc les gammes études, ils vous proposent les couleurs. La plupart du temps, il y a marqué « imitation ». Par exemple, rouge cadmium, imitation, jaune cadmium, imitation, bleu cobalt, imitation, viridien ou vert émeraude. Marqué imitation, céruléen aussi, parce que ce sont des pigments qui sont trop chers, d'une part. S'ils étaient les vrais, ils ne pourraient pas les mettre dans des gammes études qui ne sont pas chères. Et deuxièmement, pour la plupart, ce sont des pigments qui sont encore aujourd'hui nocifs. Ils sont cancérigènes pour la plupart. Donc, ils les remplacent par des pigments, on va dire, par des mélanges de couleurs pour obtenir l'équivalent de la vraie couleur. Par exemple, ils vont mélanger, de la laque de garance avec un peu de jaune, en ça, pour obtenir l'équivalent d'un vermillon. Et ils vont marquer vermillon imitation. Parce que le vrai vermillon, il coûterait vraiment beaucoup, beaucoup trop cher. Voilà. Et donc, le blanc de zinc,
que vous avez, ben, c'est la même chose, c'est une imitation, donc ça n'est pas le vrai blanc de zinc. Le blanc de zinc, qui aujourd'hui, je pense, remplace ce qui était avant le blanc de plomb. Et il y a aussi des mélanges aussi, blanc de titane et blanc de zinc, qui mélangent ensemble. Chez Winton, ils appellent ça le soft mixing white. En français, je ne sais pas comment ils appellent ça. Alors, sachez que le blanc de zinc, il est plus transparent, beaucoup, beaucoup plus transparent que le blanc de titane. Ça, c'est la chose importante. Le blanc de titane, c'est le blanc opaque. Le blanc de zinc, c'est le blanc transparent. Le blanc de titane, c'est aussi le plus blanc. Le blanc de zinc est un petit peu plus jaunâtre. Le blanc de zinc est toujours liquide, huileux. Le blanc de titane, il va être plus épais, pâteux. Mais voilà, donc pourquoi on voit beaucoup imitation, et en anglais c'est marqué U, H-U-E, sur les tubes aussi pour... Ça veut dire que ouais. Toi t'es une imitation de René Milan? Non, moi je suis le vrai, moi. Oui, ça c'est vrai. Ok, on continue avec Maria. Je suis rare, je coûte cher, et je suis nocif. Ok. Ok, Maria Valverde. Bonjour Maria. Bonjour Maria. Oh mon Dieu, il me peignait un flash là, dans les yeux. Ok, elle dit qu'elle peint à l'acrylique. Elle fait de l'abstrait avec beaucoup de graphisme. Elle aimerait évoluer dans son style et pour cela, elle voudrait travailler son graphisme sur l'acrylique avec des pastels secs et du fusain. Mais je ne sais pas comment les faire tenir dans le temps, car je ne pense pas que l'on puisse vernir ce médium sans risquer de les altérer. Effectivement, c'est sûr que quand on fait du mix média comme ça, donc peindre à l'acrylique, rajouter du pastel, du fusain, toutes sortes de choses comme ça, c'est sûr qu'on va se retrouver avec le problème où, bon, l'acrylique, on pourrait mettre du vernis, mais on peut pas mettre du vernis sur le pastel parce que il va devenir comme mouillé, il va ternir. Si on le fait au pinceau, il va s'en aller. Dès que sur le pastel sec, on va appliquer un fixatif aussi. Alors, faut peut-être vous renseigner dans les magasins de matériel d'artiste. Je sais qu'il existe maintenant des fixatifs qui vont faire en sorte que le pastel, lorsqu'on en met dessus, il ne paraît pas mouillé, c'est-à-dire qu'il va rester quand même vif. Mais généralement, lorsqu'on travaille au pastel sec, quelqu'un fait du pastel sec, il va mettre du fixatif lorsque le pastel a nécessité d'être fixé parce qu'il sature, il tient plus sur le papier. Puis après, on finit toujours en revenant avec du pastel pour le raviver par-dessus, puis là, on fixe pas, on finit vraiment avec du pastel. Et c'est problématique parce qu'effectivement, ça devient fragile. Alors, le projet, l'œuvre, il faut la mettre sous vitre, tout ça, la protéger pour pas qu'il y ait de contact. C'est un problème. Je vous donnerai un truc. Je connais personnellement un artiste peintre québécois qui s'appelle Jacques Clément. Lui, c'est un spécialiste des mix média, il fait du modèle vivant, beaucoup de peinture sur le motif. Il va mélanger des médiums, on va dire, comme l'acrylique. L'acrylique, il va y mélanger donc du pastel sec, il va mélanger du fusain, du gesso, peut-être du crayon graphite aussi. Il fait des tableaux comme ça. Puis d'un autre côté, il travaille à l'huile aussi, il va peindre à l'huile. Il va utiliser puis du bâton à l'huile. Il va utiliser encore une fois peut-être du fusain, du crayon graphite. Il va rajouter du pastel gras, pastel à l'huile aussi. Il travaille dans ces choses-là et il arrive à faire des choses assez intéressantes. Pourquoi ? Parce que, admettons, vous êtes en acrylique, vous travaillez votre peinture acrylique, vous y allez même du gesso, mettez du fusain, puis vous pouvez revenir avec de l'eau sur le fusain. Vous pouvez revenir avec de la peinture acrylique et le fusain aussi va se mélanger, vous jouez avec vos pastels secs aussi, vous travaillez vos pastels secs, vous revenez avec un petit peu de médium acrylique dessus, puis vous revenez, vous travaillez comme ça, vous pouvez jouer en mélangeant vraiment les médias qui font qu'ils vont se fixer les uns les autres. Et ça donne des résultats assez intéressants. Mais vous pouvez toujours finir à la fin avec du pastel sec pur ou du fusain pur, mais vous ne le fixez pas, vous le laissez, ça va être comme ça en surface du tableau, et puis avec le risque que ça s'en aille, si on va enlever la poussière sur la toile, ça risque de partir aussi. Jacques Clément, vous allez voir sur Facebook, il a des pages Facebook, artiste peintre Québec, vous marquez, puis vous allez le trouver. Ok, on continue avec Asna Micha. Bonjour Asna. Bonjour Asna. Salut Monsieur René Milan. Non, salut Monsieur René, excuse. Oui, René Milan. Bonjour. S'il vous plaît, pouvez-vous nous faire une vidéo sur le cubisme?
Oh mon Dieu, si vous saviez toutes les vidéos que j'ai à faire. Je dis pas non, mais je dis pas quand non plus. C'est sûr que c'est, mon Dieu, c'est, ça peut, oui, pourquoi pas, une vidéo sur le cubisme. Allons-y, mais quand, je sais pas. J'ai toute une liste de projets, de futures vidéos à faire. Ouais, mais ça sera pas sur YouTube. Ça peut être sur YouTube, si oui. C'est, oui, mais admettons une petite démo, puis on parle surtout de la technique, de des exemples de grands maîtres. Si c'est une vidéo plus théorique. Mm-hmm. Mais faire un grand projet cubiste, un grand tableau, oui, mais ça serait dans la formation. Alors, par exemple, peindre à la manière de Georges Braque, hein, ou peindre à la manière de Picasso et Georges Braque. Pourquoi pas? Ils ont fait tous les deux des tableaux magnifiques aussi. Je reviens encore sur l'exposition de la Provence. J'en avais vu à Montréal, au Musée des Beaux-Arts, des deux, Braque et Picasso. C'était vraiment, c'est comme des villages provençaux, mais en cubiste. Très, très intéressant. Ben oui, c'est un bon truc. On retient l'idée. Oui, hein? Ça, c'est sûr. OK, on continue avec Angélique. Bonjour, Angélique. Bonjour, Angélique. J'ai du mal à trouver de bons tableaux. Est-ce que tu pourrais l'aider? Comment choisir un bon tableau et où le trouver? Ça dépend de ce que c'est. Ça dépend où c'est que vous habitez, c'est ça. Sûr. Hein? Où acheter? Ben, regardez, les bonnes toiles, on parle des toiles, hein, c'est ça, ouais, je c'est suppose. Ça. Oui. Il faut de la toile de coton de bonne qualité. Déjà, vous allez regarder les prix. Quand c'est plus cher, c'est meilleur. Le poids de la toile avec son châssis, sa tension, c'est pas mal ça qui font le. On va dire qu'on va voir dans le magasin. C'est sûr, si c'est sous plastique, c'est plus difficile. Le grain de la toile aussi, qu'il soit bien lisse, pas trop granuleux. Ça peut être aussi de la toile de lin. Alors, si vous voulez la bonne toile de qualité, prenez de la toile de lin, celle qui est marron à landau, brune, beige, on va dire, et crue, alors qu'en avant, elle est traitée de gesso, donc elle est blanche. Moi, je vous dirais, c'est difficile de vous dire où, parce que vous allez, par exemple, si au Québec, vous avez les magasins de serre, vous avez les magasins HM, vous avez des magasins, je ne me rappelle plus trop les marques, mais dans chaque magasin, vous avez la toile de bonne qualité, la toile de moins bonne qualité, c'est sûr. Celle qui est made in China, qui est très légère, qui est mal tendue, ils vous en mettent 6 dans un paquet, puis c'est vendu pas cher. Mm. Puis vous avez les autres toiles qui sont vendues à l'unité, qui coûtent le prix des 6 pas cher, hein, au moins, même plus des fois. Mm. Et puis vous en prenez une, elle est plus lourde que les 6 ensemble, vous voyez. Le bois, il est plus épais, il y a de la qualité du bois aussi. Ça se reconnaît comme ça, les toiles, c'est sûr. Ça dépend, si quelqu'un veut pratiquer... sur des toiles, oui, c'est bien de... Oui, mais là, elle veut savoir comment avoir des bonnes toiles. Oui, des bonnes toiles. Non, puis, mais je parle de quelqu'un d'autre qui voudra avoir des toiles cheap essayer, ben allez-y. Là, c'est sûr, mais on travaille toujours mieux sur de la bonne qualité. Oui. Et on ne sait pas, admettons, vous faites... finalement, vous dites, je vais faire un exercice, et finalement, vous avez fait un super beau tableau, vous avez acheté une toile de très mauvaise qualité en disant, je vais faire juste un exercice, puis votre tableau, il est super beau, c'est vrai. Puis votre tableau, il se retrouve détendu, la toile est fragile... Vous risquez de la déchirer, de l'abîmer. C'est dommage. Oui. OK, on continue avec Jean-Philippe Poussé. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Jean-Philippe. Il y a une question. Comment fait-on pour peindre le brouillard dans un paysage et aussi la brume maritime? Ah, mais ça, c'est merveilleux. C'est un cours de la formation en ligne qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être 4 semaines, 5 semaines, je pense. Hein. Oui. C'était lever de soleil dans la brume en campagne. Mm-hmm. Ça, c'était un truc qui avait été demandé, qui avait été mis dans la boîte à idées. J'avais fait ça. Et donc, alors, comment on fait ça? C'est un peu compliqué de vous le dire en quelques mots. Là, c'est assez long, c'est assez compliqué. Il faut arriver à faire du flou constamment. Du flou. Et bien entendu, il y a toujours aussi des éléments qui vont être un peu plus découpés parce qu'ils sont en avant-plan, le flou en arrière. Comment faire de la brume? Vous voulez que je mette des mots là-dessus? Moi, je ne serais pas capable. Je n'arriverai pas. Non, moi non plus. Que je fasse une démo. Oui, allez, qu'aille voir cette démo-là, là, tu pourrais... C'est ça, c'est réaliser du flou dans notre tableau. Hein. Si tu veux, là, regarde, c'est peut-être pas inclus, là, on pourrait mettre le lien de ton... Du coup, je ne sais pas, c'est qui la personne? C'est Jean-Philippe. Jean-Philippe, oui, c'est ça. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes abonné à la formation La peinture, c'est facile, donc vous l'avez dans... les pas à pas, je dirais, dans le bas de la liste, parce qu'ils sont mis à la suite pour l'instant. Vous allez voir lever de soleil en campagne dans la brume, et là, vous allez voir vraiment
C'est quand même un cours en vidéo qui doit durer au moins 2 heures en peinture à l'huile. Là. Ah oui. Ouais, au moins 2 heures, oui. Excuse-moi. Il y a tellement de feuilles, là. OK, on continue avec Naïka Jean. Bonjour, Naïka. Merci de répondre à mon commentaire. Ma question concerne la nature morte. Je voulais savoir comment la représenter en coloriste et en valoriste. Ah, encore une question assez compliquée. En coloriste ou en valoriste? Bon, vous avez vu, on parle de la nature morte, je pense qu'on a mis dans YouTube, là, qu'on avait fait, là. Elle est, on va dire, dans un style réaliste, on va dire un petit peu antique, avec la méthode du glacis. Peindre en valoriste, ça veut dire, ben, on va travailler surtout les valeurs et non plus les couleurs. Vous faites un tableau en noir et blanc, en représentant les ombres et les lumières avec beaucoup de force, c'est-à-dire que là où vous avez des contrastes forts, vous les mettez très fort, là où c'est moins fort, vous les mettez moins fort, vous faites comme une échelle de valeur, une échelle de grippe, vous respectez ça, ça c'est le plus important. Moi, si je le faisais en valoriste, j'irais comme ça, je ferais mon tableau en noir et blanc. D'ailleurs, dans la formation en ligne, il y a une technique de peinture valoriste où je montre comment on le fait. On commence toujours avec du noir et blanc, c'est bien mieux. Et après, par-dessus ce noir et blanc, on vient teinter, mettre les couleurs, mais toujours en faisant attention à ce que ces nouvelles couleurs qu'on vient mettre par-dessus nos gris soient vraiment de la même valeur que le gris qui est en dessous. Vous voyez ? C'est-à-dire que si vous avez une zone où c'est très foncé, vous avez mis un gris très foncé, la couleur que vous allez mettre par-dessus, en opacité, on cache vraiment le gris. Le gris était là comme pour faire, on va dire, une règle. Cette couleur que vous allez mettre doit être vraiment la même valeur, aussi foncée que le gris foncé que vous avez. Et si vous avez, par exemple, quelque chose de très lumineux, vous l'avez mis en blanc, presque un blanc pur, mais quand vous allez mettre une couleur, elle sera quasiment pas visible, puisque ça sera quasiment un blanc pur aussi. C'est de bien respecter les valeurs au moment où vous mettez les couleurs dessus. Maintenant, faire une peinture coloriste, ça va être complètement l'inverse. Coloriste, c'est quoi? Ça va être de choisir les couleurs qui vont remplacer les valeurs. Prenez par exemple les fauvistes, tiens, Henri Matisse. Regardez les portraits qu'il a peints à Henri Matisse. Vous avez un visage de femme avec un côté vert, un côté rouge, des taches jaunes, des taches bleues. Bon, mais il a pris pour acquis que, par exemple, tout ce qui était dans telle valeur, les foncés, les très foncés, admettons, c'était du vert, les ombres. Et tout ce qui était lumineux, il mettait du rouge ou de l'orange. Alors, il mettait peut-être cette valeur dans l'ombre bleue, celle-là verte, celle-là mauve. Et puis, cette valeur dans la lumière, cette couleur, cette teinte, cette luminosité, il la mettait rouge. Puis, cette luminosité-là, il la mettait jaune. Vous voyez, c'est comme une échelle de gris encore, mais où les couleurs, les valeurs sont remplacées par des couleurs. Et ces couleurs-là n'ont pas à respecter la valeur. C'est-à-dire que le rouge, il est plus foncé que la valeur qui était en dessous, hein, comme le vert, il peut être plus pâle que la valeur qui était en dessous, voyez. Ça, c'est coloriste. Voilà, donc là, je vous ai donné un petit peu la méthode valoriste et la méthode coloriste, mais toujours avec des mots, puisque là, on est dans la théorie. Et ça fonctionne bien, ça donne des bons résultats. Oui, oui. OK, on continue avec Daniel Babin. Bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel. Étant débutante, elle voudrait savoir qu'est-ce que le contre-jour. Le contre-jour? Oui. Ah ben, contre-jour, c'est lorsque nous avons la lumière qui se trouve derrière le sujet. Par exemple, vous avez le soleil en face, et en avant, vous avez une gondole sur la rivière à Venise, et le soleil derrière, ben, votre gondole, elle est en contre-jour. Donc, c'est très foncé, puis vous allez avoir certainement des auréoles un petit peu, des contours lumineux, parce que la lumière reflète dessus. Alors, prenez par exemple les tableaux de Claude Monet, où on voit justement à Venise, je pense que c'est le palais des Doges qui appelle comme ça, et on voit l'eau, puis la lumière est de l'autre côté. On voit des beaux contre-jours comme ça, ben aussi le fameux tableau Impression soleil levant de Claude Monet, c'est un contre-jour. Vous avez beaucoup de tableaux aussi de Turner, William Turner, où vous avez des bateaux qui sont en contre-jour aussi. La lumière est derrière, le sujet est devant la lumière, on a un contre-jour. Vous avez aussi, donc, à ce moment-là, les ombres des éléments, les ombres des sujets qui s'en viennent vers nous. Hein. C'est important ça, un contre-jour, d'aller chercher les directions des ombres et lumières.
Excusez-moi. On continue avec Jean. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Est-ce que le tableau du pont au Néphéa de Monet que vous avez réalisé à l'huile en trois couches est réalisable à l'acrylique avec les trois couches proposées? Alors, le tableau des Nymphéas de Claude Monet que j'ai fait à l'huile, oui, c'est facile. C'est réalisable à l'acrylique. En trois couches? Ben, peut-être en plus de couches. À l'acrylique, pourquoi? Parce que l'acrylique, vous savez, ça s'aplatit beaucoup quand on le met sur la toile. C'est certainement aussi souvent plus transparent que la peinture à l'huile. Et vu que ça sèche plus vite, l'acrylique, sans s'en rendre compte, au lieu de mettre trois couches, on va mettre plusieurs. C'est-à-dire que lorsque vous faites vos petites touches, là, hein, c'est presque du pointillisme. Hein. Je suis là, je fais mes touches de peinture à l'huile. Je ne peux pas revenir dedans parce que ça va se mélanger après. C'est pour ça que je suis obligé de laisser sécher. Si j'ai mis des touches ici, je ne peux pas revenir toucher à nouveau avec ma peinture à l'huile, sinon je vais enlever mes touches. Mais quand vous êtes en acrylique, mettez vos touches là, ça fait 5 minutes que vous les mettez. Les premières que vous avez mises, elles ont séché, vous pouvez déjà revenir un petit peu dessus. Fait que vous pouvez renforcer votre couleur, ça renforce votre valeur aussi, ça augmente le nombre de coups de pinceau, ne veut pas. Et ça va faire que, sans vous en apercevoir, ben, il y a des endroits où vous êtes déjà venu trois fois sans le savoir. Fait qu'après, vous laissez sécher complètement, vous revenez encore avec une couche, mais vos touches vont être multipliées aussi. Et moi, je vous dirais que, en acrylique, moi, si je l'avais fait en acrylique, j'aurais eu un résultat peut-être encore meilleur que ce que j'ai fait en peinture à l'huile, vous voyez, par rapport au tableau de Monet, parce que j'aurais pu avoir, un pointillisme, si vous voulez, la touche impressionniste, encore plus riche, encore plus de coups de pinceau que ça, parce que moi je l'ai fait le tableau, je sais pas moi, comme vous dites, en trois couches, oui peut-être, je me rappelle plus combien de temps ça a pris pour faire le tableau, c'était long, je sais pas, admettons, je dis n'importe quoi là, ça m'aurait pris 10-15 heures, mais Claude Monet, il a peut-être passé 40 heures sur ce tableau-là, puis des coups de pinceau, il en avait plus que moi, puis des épaisseurs de peinture aussi, moi on va dire que j'ai fait une version résumée de son tableau, sinon ça m'aurait pris beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Et bien voilà, donc en peinture acrylique, ça nous permet de mettre plus de coups de pinceau dans la même séance, on n'est pas obligé d'attendre que ça sèche. Donc on va gagner. Par contre, je vous ai dit, ça s'aplatit un peu. Il y a des épaisseurs qu'on peut mettre en peinture à l'huile qu'on ne peut pas faire en peinture acrylique, à moins d'ajouter un médium de texture, un médium gel par exemple, gel épais, à votre peinture acrylique pour que ça fasse justement des épaisseurs. Et si je le faisais en acrylique, ben je le ferais ça. Je mettrais un petit peu de médium gel dans ma peinture, peut-être surtout sur les dernières couches, pour faire ces fameuses épaisseurs qu'on voit à la fin sur le tableau. Mm-hmm. Oui, je me rappelle de ton... Oui, hein? Oh, oui, je me rappelle. Il est bien aussi. Oui, oui. OK, on continue avec Muriel. Bonjour, bonjour Muriel. Bonjour Annie, votre vidéo est bienvenue. Là, elle parle de la vidéo avec le sable. Okay. Ah, le sable, oui, oui. Car je suis en train de peindre des éléphants et le sable est un peu rouge. Je ne sais pas comment représenter ce sable, car l'ensemble reste trop plat, il n'a pas de relief. Je me débrouille pour la couleur, mais je n'arrive pas du tout à donner du mouvement et pas non plus à représenter du sable qui vole. J'ai l'impression que mes éléphants reposent sur un lino. Oui. Bon, c'est pas top. Si quelqu'un peut me donner des conseils, ça serait... Oui, ben, c'est quand même simple. Si vous trouvez que c'est plat et que vous n'arrivez pas à donner ces impressions-là, que les éléphants sont posés dessus, que le sable et les mouvements dans le sable et tout, ben, c'est qu'il vous manque les ombres et lumières, tout simplement. Ombre et lumière. Donc, si vous avez un sable qui est rosé, vous avez mis une couleur peut-être trop uniforme partout, pensez, alors revenez sur la vidéo que j'ai faite sur le sable et regardez bien les couleurs du sable dans l'ombre. Comment c'est très foncé. Mais il va falloir faire ces ombres-là très foncées. Vous avez plus du rouge, là. Si votre sable est rosé, bien, vos ombres, vous allez devoir mettre du mauve. Rajouter du bleu. Votre couleur, vous la rendez un petit peu plus mauve. Et là, vous allez devoir faire ces taches foncées qui vont représenter les ombres. Là où il y a le contact des pattes de l'éléphant sur le sable, il va falloir mettre les ombres. Et là, vous allez voir que votre éléphant, de suite, il vient se poser sur le sable. Ce n'est plus la place sur du lino parce que vous allez avoir des ombres. Et les ombres ne sont pas droites parce que le sable, il n'est pas plat. Fait que vous allez devoir donner du mouvement, représenter un petit peu vos petites dunes, les traces de pas, vous savez, les creux, les bosses. Et là, si vous avez ce problème aussi, c'est peut-être parce que vous travaillez d'imagination. Essayez de prendre une photo, vous voyez, du sable sur une plage, là, où on a marché dessus,
et vous allez analyser les ombres et lumières et vous allez essayer de faire les mêmes ombres et lumières, au moins sur votre avant-plan, sur votre tableau, d'après la photo, et vous allez voir, ça marchera mieux. Maintenant, le sable qui vole, effectivement, un petit coup de vent, quand le sable vole, ben, il va falloir faire un petit flou à ce moment-là. Le sable, la couleur du sable peut être un petit peu plus pâle que ce qui est en arrière pour qu'on le voie, un petit peu de flou, et bien entendu aussi toujours un petit peu de flou foncé, parce que là où il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Même pour du sable qui vole dans l'air, comme un nuage, il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Donc, ça sera toujours comme ça. Les ombres et lumières, c'est ça qui va vous faire donner ces impressions-là. C'est du sable, c'est de la neige, c'est la même chose, c'est pareil, c'est juste les couleurs qui changent. Mais pour avoir du mouvement, du relief, ombre et lumière. On continue avec Aliane. Bonjour Aliane. Une question. Après avoir une palette, parce que c'est les 7 bonnes raisons pour utiliser une palette, oui. Ok. Avoir une palette limitée, c'est aussi utile pour mettre en couleur un dessin, crayon, aquarellable ou feutre, etc. Bien souvent, le résultat final de mes dessins, ce qu'il y a en compétition, me paraît chargé si je reproduis trop les couleurs de la photo. Effectivement, oui, on cherche trop à représenter les couleurs de la photo, on va se retrouver avec trop de couleurs. Palette limitée, c'est sûr, c'est toujours gagnant, tout le temps. Oui, en aquarelle aussi, oui, en crayon aquarellable. Entraînez-vous déjà au début, par exemple, si vous dites que votre dessin est trop chargé, trop de couleurs, essayez de le faire en monochrome d'abord. Je ne sais pas, par exemple, vous prenez trois couleurs de la même gamme, tu sais, trois bruns, du plus pâle au plus foncé, trois bruns. Essayez de faire tout votre tableau avec ça, un exercice pour vous amuser. Après ça, vous allez introduire peut-être juste une couleur complémentaire que vous allez rajouter à certains endroits où ça serait nécessaire. Et déjà, vous allez voir que votre tableau, il a beaucoup plus de caractère que si vous aviez fait avec toutes les couleurs que vous voyez sur la photo, sur le modèle. Commencez comme ça. Et puis après ça, vous allez pouvoir rajouter la couleur complémentaire, on a dit, puis peut-être encore une deuxième, une troisième. Et puis, vous limitez comme ça votre palette et vous allez voir que le résultat, c'est toujours gagnant, c'est certain. Alors, donc, c'est oui, effectivement, on ne reproduit pas tout ce qu'on voit sur la photo. Non. On va simplement interpréter et apporter d'autres couleurs. On va chercher sur la photo, par exemple, quelle est la couleur dominante, quelles sont les autres couleurs. Parmi ces autres couleurs-là, un peu comme quand on fait de la composition, parmi tous les éléments qu'il y a sur la photo, lesquels je conserve et lesquels je retire. Parmi toutes ces couleurs, lesquelles je conserve et lesquelles je retire, quelle va être la dominante de mon tableau, quelle va être la couleur éventuellement contraste et complémentaire, quelles vont être les couleurs éventuellement intermédiaires qui vont intervenir là-dedans. Vous voyez, faut y penser à tout ça, faut l'analyser, le prévoir, et après quand vous allez faire votre tableau, ça va être, vous avez quelque chose qui va diriger vos couleurs, ce sera plus du juste ce que je vois comme je le vois. Et le résultat, il va être meilleur, c'est certain. On continue avec Catherine. Ben, je ne sais pas comment on dit. Catherine. Bonjour Catherine. Humble. Catherine Humble. Excusez. Oui. Une question. C'est encore pour la palette, là. Oui. Vous savez pourquoi vous faites ceci ou cela, le choix du plus foncé au moins foncé? Pour moi, tout cela est au niveau de l'essai. Je n'ai pas la raison précise pourquoi je fais ceci. C'est au niveau de l'expérimentation. Oui. Quand on fait la couleur, les mélanges de couleurs, il faut connaître la théorie de la couleur. Il faut se baser sur la roue des couleurs, le cercle chromatique. Il faut apprendre la théorie, la base, la connaître et après on l'applique. Et donc, comme vous dites, je ne sais pas pourquoi je fais ceci, je ne sais pas pourquoi je fais cela. Effectivement, moi, je le sais pourquoi, parce que je la connais maintenant, la théorie de la couleur. Ça fait longtemps que je la pratique. Mais ce ne sont pas des choses qu'on va forcément voir. Ce sont des choses qu'on va savoir. C'est vrai que c'est difficile à comprendre. Par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai un rouge cadmium clair. Rouge cadmium clair. Je sais que si je veux l'éclaircir, je vais mettre du jaune dedans et non pas du blanc. Parce que si je mets du blanc, il va devenir rose. Mais si je veux l'éclaircir sans qu'il devienne rose, je vais l'éclaircir vers l'oranger, je mets du jaune. C'est bon ? Si je veux le foncer, je vais mettre un rouge plus foncé, cramoisi d'alizarine dedans. Il va foncer, il va rester rouge vif. Mais si ce rouge, je veux le rendre un peu plus gris,
le rendre moins gris, moins rouge, moins vif pour le ternir un peu, ben, je vais mettre un petit peu de vert, une petite touche de vert. Et là, c'est là où, vous voyez, je le fais, je mets du vert dans le rouge parce que je le sais. Et pourquoi je le sais? Parce que je connais la théorie. Mais il n'y a rien qui me le dit sur la palette que c'est en mettant du vert que mon rouge va devenir plus gris. Je ne le vois pas, il n'y a pas d'indication. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. Le truc, c'est qu'en peinture, la plupart du temps, on va dire, bon, ben, il faut faire les choses comme on les voit. Je vois que c'est comme ça, je le fais comme ça. Puis là, quand on passe sur la palette, là, c'est plus pareil. Je vais faire ça parce que je le sais. C'est un petit peu ça qu'il y a la difficulté en peinture, c'est de passer de l'un à l'autre, d'un côté à l'autre du cerveau aussi. Et donc, pour savoir qu'en mettant du vert dans le rouge, il va devenir plus gris, ben, c'est des choses qu'il faut savoir. Alors, pourquoi? Parce que sur la roue des couleurs, le cercle chromatique, ben, le vert, il est de l'autre côté du rouge. C'est ça complémentaire, vous voyez? Bon, mais ça, c'est toutes des choses à apprendre et à connaître. Et une fois que vous le connaissez, ben, il faut le pratiquer. Alors, il faut toujours avoir le cercle chromatique sous les yeux quand on fait nos mélanges sur la palette. Jusqu'à ce qu'on l'ait dans la tête. À ce moment-là, on pourra l'enlever de sous nos yeux parce qu'on l'aura dans la tête. Pratiquer. C'est un aide aussi. Oui. Ok, on continue avec Jean-Claude. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour, Jean-Claude. Comment effacer le crayon noir 6B sur un tableau? Oui, je le sais. Ah. Oui. Crayon noir 6B, graphite, tout ça. Pour l'effacer, ben, le truc qu'on m'a donné, je ne sais plus, j'ai vu ça où, en tout cas. Et ça fonctionne bien, c'est pour tout ce qui est graphite. Prenez une brosse à dents, un petit peu de savon à vaisselle, de l'eau, et vous allez nettoyer avec du savon. De l'eau et du savon, ça va partir. Parce qu'en fait, c'est assez gras le graphite. Et ça va se nettoyer comme ça, bien sûr, vous rincez, vous essuyez, et ça part. Oui, puis c'est assez foncé, le 6B. Hein? Oui, ça part bien avec du savon, oui, effectivement. Okay. On continue avec Diane Manger. Bonjour, Diane. Bonjour, Diane. C'est vraiment génial, toutes ces idées dans cette vidéo. On parle de... Ah oui, le petit format. Ah, les petits formats, oui. Simple et rapide. J'aime beaucoup ce petit paysage. Hé, il n'a pas dit quelque chose, hein, ce paysage-là, c'est moi qui l'ai pris en photo. Oui, c'était sa photo, oui, c'est vrai. Hey, droit d'auteur. Ben oui. OK, elle se demande si tu as utilisé du bleu phtalo ou cérilium. Je ne m'en rappelle pas. Ça fait trop longtemps. Alors, regardez bien. Un, je ne m'en rappelle pas. Et deux, je n'avais pas la caméra sur la palette. J'avais oublié d'allumer la caméra sur la palette. Oui. C'est pour ça qu'on vous a mis... un accéléré. speed painting, pas de palette. Fait que, au début, le monteur, il nous avait fait le montage où on voyait... Je donnais des explications... On ne voyait jamais la palette, puis je faisais le tableau en expliquant ce que je faisais. Ah, tu sais, hein? Puis, c'est ça. Et puis, j'ai dit, non, mais là, ça ne marchera pas, là, parce qu'ils vont vouloir voir la palette, les gens. Puis, je ne l'ai pas filmé, la palette. J'ai dit, mais fais-moi un beau speed painting, là, comme, vous savez, une vidéo accélérée d'une fleur qui s'ouvre, comme ça, là. J'ai dit, fais-moi une belle fleur de mon tableau, fais-moi une œuvre d'art vidéo. Puis, c'est ce qu'il a fait. Alors, vous avez toute la théorie avant, j'explique tout. Mais pour le bleu, phtalo, cérilium, non. Le speed painting, la vidéo, la toile qui apparaît, puis après, vous avez la conclusion. Donc, il a bien travaillé, le monteur, c'est super. Oh, ouais. Mais alors, regardez les couleurs que j'avais sous la main. Ça peut être, soit c'est du bleu phtalo, mais c'est quoi les questions? Cérilium. Non, j'ai pas de cérilium là. Soit c'est du phtalo, soit c'est du bleu primaire, du cyan. Mais honnêtement, je pense que c'est du phtalo. J'aurais plutôt utilisé du phtalo, ouais. Oui, du bleu phtalo, certainement. Mais sinon, c'est du cyan, donc le cyan, c'est un peu comme cérulien. Cérulien, imitation, c'est du phtalo et du blanc. Hein. Le cyan, c'est du phtalo et du blanc aussi. Voilà. Excusez, on continue, ben, on finit avec Nat. Bonjour Nat. Merci pour ces conseils. Ça me donne envie de faire des petits tableaux tout mignons. Oui, ben oui. Comment faire pour que la toile cartonnée ne s'effiloche pas quand on la coupe et que les bords restent quand même nets? Alors, moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Non. Je prends... un exacto cutter, une règle en métal, bien sûr, je marque mes lignes au crayon et puis je coupe, j'y vais une fois, deux fois, trois fois, jusqu'au bout, sur une planche de bois, puis c'est fini, c'est coupé, ça ne s'effiloche pas du tout, j'ai jamais eu de problème, pourquoi? Parce que peut-être que, en tout cas, les cartons entoilés que j'achète, la toile est vraiment bien collée, elle est très collée sur le carton, donc ça ne s'effiloche pas du tout. Sinon, si ça s'effiloche, ben, il doit y avoir un problème de colle, je ne sais pas. Non, mais d'habitude, non. Non, ça va bien. Oui, ça va bien. Oh, oui, ça m'arrive assez fréquemment de couper des cartons entoilés comme ça. Ouais.
Sinon, mais ben, c'est mieux, excuse-moi, oui. C'est mieux comme tu dis avec le cutter, parce que faut pas avec des ciseaux là, que tu magagnerais la... Sinon, ben, utilisez de l'isorel ou du masonite, mm-hmm. Voilà. Puis une fois que vous avez coupé votre isorel masonite, mettez de la peinture blanche ou du gesso, le mieux c'est du gesso, hein. Mm. Une fois que ça a été coupé, mettez votre gesso, puis vous êtes prête à faire de la peinture dessus. Là, moi c'est ce que je ferai aussi. Mm-hmm. C'est solide, c'est bien, des petits morceaux. Ouais. Vous avez aimé ça, les petits formats, c'est bien, hein? Oui, oui. Ah, oui. Moi, j'aime tout, c'est sûr, mais ça peut être intéressant. Des fois, j'ai vu dans des expositions des petits formats comme ça, des petits... Barouette, oui. Oui, 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 des 3, 4 cm par 4 cm. C'est comme collé sur un carton blanc, là, puis c'est un petit peu en relief. Puis c'est un grand tableau, là, tu sais, avec un grand cadre. Puis tu as ce petit truc au milieu, là. C'est quoi ton plus petit tableau? Le plus petit que j'ai fait, je sais pas, ben c'est peut-être celui-là, le petit format là, oui. Puis le plus grand? Peut-être. Non, j'ai fait des 4x4 aussi, j'ai fait des 4x4. Ouais. Ah, le plus grand, c'est 57 par 104 pouces. Ouais. Alors, un centimètre, je sais pas, 57 par 104 pouces. Un pouce fait 2,5 cm. Faites la multiplication, c'était immense, là, c'était le tableau pour Serge Savard. Oh oui, qui a voulu lui redonner en plus, hein? Oui, c'est ça, mais ils ont voulu me rendre parce que... Ils ont changé de bureau. Mais non, c'est ça, ils ont vendu l'immeuble, tout ça, ils ont tout débarrassé, puis ils ne savaient plus quoi faire avec ce grand tableau-là. Et puis j'ai dit non. Je n'aurais pas su où le mettre. Non, à la maison, il n'y aurait pas de place. Ouais. On a fini les questions? On a fini. On va parler aussi du webinaire qu'on était supposé de donner pendant qu'on était malade. Oui, on devait faire un webinaire au mois de mars, fin mars, le 24 mars. Donc, il est reporté au 21 avril, un webinaire sur le mélange des couleurs en peinture à l'huile. Donc, on va envoyer des emails à tout le monde. Mm-hmm. Ça sera le 21 avril. Le nombre de places est limité, bien entendu, à 2500 au total et à 1500 en direct. Parce qu'habituellement, c'était toujours 1500 personnes limitées au direct, en direct pour voir le webinaire. Et à chaque fois, ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas. Ils nous écrivaient, ils disaient, j'arrive pas à me connecter. Ah, ok, oui. À me connecter, ben, c'est parce qu'il y avait déjà plus de 1500 personnes qui nous regardaient. Donc, on ne pouvait plus en rajouter. Puis là, ça va être 2500, limité à 2500 en inscription. Donc, pour le voir en replay aussi. Alors qu'avant, ce n'était pas limité. Ça, c'est le système qui a changé. Fait qu'on pouvait avoir, après ça, vous pouvez vous inscrire même après, aller voir le replay. Non, on peut te donner à 3000 personnes, 4000, il n'y avait pas de problème. Non. Mais là, c'est limité à 2500. Donc, les personnes qui voudront voir le webinaire, que ce soit en direct ou après, il faut s'inscrire au plus vite. Ouais. Alors ça, alors aussi, suite, c'est là. Pour la mélange de couleurs en peinture à l'huile. Alors, c'est spécifique, et de ce fait, je me suis dit qu'en faisant ça, ben, ceux qui font de l'acrylique, peut-être, ils ne regarderont pas ça. Mm-hmm. Et on le refera. On refera le mélange de couleurs en peinture acrylique après. Mm-hmm. Un autre webinaire, et à ce moment-là, ben, comme ça, je me suis dit, ça va partager les gens en deux. Vous aurez plus de chances de le voir. Il va y avoir une belle surprise hein, pour ça. À la fin du webinaire, une très belle surprise, oui. Nouvelle. Ben, c'est ça, on en avait déjà parlé. C'est une nouvelle formation qu'on va vous donner à... la possibilité d'obtenir en exclusivité. En quoi? En exclusivité. Okay. Voilà, ben, je pense qu'on a tout dit. Oui, on a tout dit. Sinon que... On est très content de reprendre notre... Oui. C'est pas notre travail. Pour nous, c'est pas un travail. C'est on un est plaisir. Content de vous revoir, surtout. Oui, ben on est oui. Très, très content de vous revoir. De vous avoir à notre table. Mm-hmm. Sans ça, là. Oui. Ça vous tente de souffler un petit peu dedans? Puis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pourrais pas le dire assez, là. Merci beaucoup pour tous les mots, les encouragements que vous nous avez donnés quand on était malade. Ça a été fou, ça, là, hein? Ces choses du passé, mais c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait vraiment une grande famille. Oui, merveilleux. C'est oui. Super. On était très, très heureux. Oui. Merci infiniment. Merci. Donc, on se retrouve ben, mercredi avec la vidéo du mercredi, puis samedi pour les autres vidéos questions-réponses. Oui. À bientôt. Bye-bye.